un grand jour dans le ciel, un grand jour sur la terre, et bien sûr pour toi. Amen. Amen. Le baptême. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Tous ceux qui se feront baptiser. D'abord, vous verrez par la suite que vous avez opté pour une bonne décision. Dieu va vous bénir. Si tu es content, acclame pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'endroit est très agréable pour un baptême. Amen. Voilà. Parce que le baptême trouve son sens véritable dans le Jourdain. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Nous sommes des chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. Donc, nous suivons l'image du Christ. Il ne s'est pas fait baptiser dans une piscine. Il s'est fait baptiser dans un endroit comme ça. Amen. Amen. Si on peut revenir à des millénaires en arrière, ou 2000 ans en arrière, on verra que Jean-Baptiste l'a baptisé dans un endroit comme ça. Donc acclamez le Seigneur. Amen. Donc soyez dans la joie. Soyez dans la joie parce que le ciel est dans la joie. Et avant de commencer, je veux aussi dire merci à tous ceux qui sont venus soutenir les baptisés. Les candidats au baptême. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Donc c'est tout ça la famille. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Amen. Amen. Voilà. Donc nous sommes des frères. Mais nous sommes deux familles aujourd'hui. Qui se rejoignent. Amen. Pour célébrer la gloire de Dieu. Donc, nous avons nos frères de Venouillet-Veneuil. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Ils sont à toi. Amen. C'est les enfants spirituels du révérend Camara. Je pense que c'est. Vous le connaissez. Mais je le présente encore, je le représente. Acclamez le Seigneur. Amen. Et il y a une femme aussi qui est parmi nous qui est venue soutenir non seulement son mari. Amen. Mais qui est venue aussi soutenir tous les baptisés. Peut-être que vous avez entendu parler d'elle, mais vous ne l'avez jamais vue. Qui connaît sa femme? Voilà, il y a certains qui la connaissent. C'est maman Juliette. Elle est assise là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Amen. C'est une maman qui est bénie, qui a l'onction prophétique. Aujourd'hui, elle est venue par la grâce de Dieu nous soutenir. Amen. Amen. Donc que Dieu bénisse tout ça. Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. D'accord. Donc, avant de commencer la prière du baptême, je vais vous donner le programme. D'accord? Donc, je pense que tous ceux qui seront plongés dans l'eau sont déjà maintenus. C'est bon? C'est bon? D'accord. Donc, voilà comment ça va se passer. Après l'enseignement, les cantiques de louange, on va s'approcher de l'eau. Amen. Jésus, c'est moi qui rate le premier. Voilà. Voilà. Vous vous dites qu'il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Voilà. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Il n'y a rien. Et en Israël, le roi, le général est toujours devant. Il ne se met pas derrière et met les.